Hello! Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori. Je crois que c'est une de mes vidéos les préférées en fait que je fais régulièrement parce qu'elles me permettent en fait de vous résumer voilà tout le mois et tout ce que j'ai aimé pendant le mois, de parler des choses un petit peu random dont j'aurais pas forcément parlé. Donc c'est vraiment les vidéos que j'adore. Ce mois-ci, ça, il y en a pas des masses. Franchement, j'ai pas des masses de favoris, donc ça va pas être très long. Donc on va y aller, on va commencer tout de suite. On va commencer par ce qui est pas de la beauté. Le premier truc, c'est les agendas, enfin mon agenda que j'ai recommandé, Happy Planner. C'est des agendas, j'essaie de vous montrer un endroit où il n'y a rien. C'est des agendas comme ça, vous avez des onglets pour chaque mois. Après vous avez un mois, le mois façon... Oula, le mois sur deux pages avec des petits carrés comme ça. Et après, vous avez plusieurs formes. Alors, il y en a qui ont vraiment tous les jours de la semaine en long comme ça. Vous avez les jours de la semaine en long comme ça. Et moi, j'ai pris cette forme-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir qui est. Donc là, vous avez une page qui est séparée en plusieurs parties pour mettre des notes, des machins. Enfin, après, vous écrivez un peu ce que vous voulez. Et là, vos 7 jours sur une page, en fait. Leur particularité, c'est que c'est ce qu'ils appellent disc bound. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des spirales, mais qui s'enlèvent comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez enlever les pages, écrire dessus, les remettre, rajouter des pages de notes, d'autres intercalaires et tout. Par exemple, ça vient d'un autre... Et les feuilles qu'il y a dedans, c'est d'autres, c'est des un peu des add-ons quoi, enfin que vous pouvez rajouter à l'intérieur. Vous avez plein de trucs différents, genre par exemple, ça c'est un truc avec des to-do list, des machins pour, c'est si vous voulez faire une page par jour, mais vous pouvez très bien vous en servir pour la semaine ou pour le mois si vous avez des trucs à rajouter. Et après il y a des pages de notes vierges, ça existe en couleur, en pas couleur, en ce que vous voulez, à point, à ligne, blanc, enfin il y a plein, il y a tout ce que vous voulez. Et j'aime bien parce que du coup vous pouvez vraiment le personnaliser. J'en ai eu trois, mais cette année, en fait je pensais pas le racheter parce que j'utilise beaucoup mon téléphone. Le calendrier d'Apple, là, tout bête, j'ai fait des calendriers différents, j'en ai fait des partagés avec mon chéri, des pas partagés, des machins. Et en fait, c'est très bien pour moi, ça fonctionne très bien. Au moins, on a des rappels en commun, des rappels pas en commun. On se mélange pas. Le seul truc, c'est que j'ai besoin d'écrire, en fait, de visualiser, d'avoir un truc sur mon bureau posé. J'avais essayé d'imprimer des trucs du calendrier Apple, mais bah du coup, dès que je rajoute un truc, je le vois pas, donc faut que je le rajoute à la main, donc machin. Donc en fait, j'ai les deux. J'ai essayé aussi sur l'iPad les planeurs numériques que vous pouvez acheter pour Notability ou comment c'est quoi l'autre, je sais plus comment elle s'appelle l'autre application, GoodNotes. Et donc sur Etsy vous trouvez plein, mais c'est magnifique, franchement c'est des trop beaux trucs de carnets, enfin de planeurs en fait numériques, vraiment avec les mois, vous pouvez rajouter des pages et tout. Je n'y arrive pas, pourtant j'ai l'iPad avec l'Apple Pencil, ça pourrait me faire croire que c'est un vrai carnet. Non, il me faut un vrai truc en plus sur lequel je note. Donc du coup, ça me fait doublon. Mais au moins, comme ça, j'arrive à m'organiser. Et en fait, si vous voulez, là-dessus, j'utilise mon calendrier et l'application Rappel. Ça fonctionne très bien pour moi, les deux. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Rappel, bah, des petits trucs importants, je me fais pas forcément des rappels, parce que sinon, ça va sonner 20 fois dans la journée. Et qu'au moins, là-dessus, bah, là, je note vraiment des rappels, je les note au fur et à mesure, je les surligne. Là, les rendez-vous, les trucs importants à faire. Et du coup, j'ai ça sur mon bureau et je le vois tout de suite. Mais voilà, une lettre à poster, un truc qu'il faut pas que j'oublie et tout. Bah typiquement je le mets là-dedans et après je mets des coups de stabilo. Là, l'avantage c'est que par exemple si je rajoute plein de pages de notes et que ça devient trop lourd et que je dois le transporter, typiquement là je vais devoir l'amener avec moi, je vais devoir le transporter, bah par exemple les mois qui sont déjà passés, genre de janvier à avril, je peux très bien les enlever. Je peux à la maison l'avoir très gros et quand je pars l'avoir très léger, donc ça c'est top. J'en ai plusieurs maintenant parce que j'en avais acheté pour des carnets de notes et tout. Donc du coup, j'ai des disques en plus parce que vous pouvez du coup changer les disques, ça se vend à part. Je peux très bien m'en faire un avec les tout petits disques d'un cahier que j'avais acheté. Partir avec juste ça, revenir et tout remettre dans mon gros carnet quoi. Donc ça c'est cool en fait, c'est pour ça que je les aime bien et que c'est vraiment un favori et que du coup je l'ai encore racheté. J'ai un Filofax qui est pas un Filofax, c'est une autre marque, c'est Vanderspeck qui est très très beau. Le problème c'est qu'en fait les Filofax... Donc j'en ai la taille personnelle, la basique, c'est trop petit, parce que j'écris gros, je vois rien, machin, ça me saoule.
Et la taille A5, la taille donc du coup du dessus, c'est trop les... J'en ai un de chez Kikike que j'adore, que je garde en carnet de notes du coup. Mais c'est trop lourd le comment... Déjà rien que l'extérieur, il pèse 4 tonnes en fait. Donc à chaque fois que je le balade comme ça, enfin voilà. Mais c'est aussi personnalisable, oui c'est un peu le même principe. Là ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut que vous ayez ou leur add-on ou alors leur perforatrice. Moi j'ai acheté la perforatrice comme ça, si j'ai des feuilles A4 à mettre dedans, je peux les perforer, tac, et les plier. Donc voilà, comme ça je peux vraiment faire mon truc. Voilà, peut-être l'année prochaine j'arriverai à me mettre dans mon Filofax A5, mais le truc c'est que justement je peux pas me balader avec juste un mois et me faire des petits cahiers à côté juste quand je suis pas là, ou quand j'ai besoin d'emporter avec moi, ou quand j'ai besoin de feuilles de notes. Parce que tout de suite, un Filofax, le Filofax en lui-même, il pèse 12 tonnes. Vous pouvez les trouver soit sur leur site à eux, je vous mettrai le lien. Faites attention, vous risquez d'avoir des frais de douane parce que ça vient des États-Unis. Mais avant, ils ne livraient pas des États-Unis, maintenant, oui. Et vous pouvez aussi les trouver sur La Fourmi Créative et Craftelier. Voilà. Deuxième produit qui n'est pas de la beauté à proprement parler, c'est les sacs Cabaya. J'en ai deux en particulier à vous présenter. Un, on va passer rapidement dessus. C'est le Mykonos et c'est une édition limitée en fait qui est sortie là il n'y a pas longtemps. Il y en avait 4, donc il y avait celui-là, un rose et jaune et dégradé pareil, Gradient. C'est la collection Festival. Et l'autre il est, je crois qu'il y a un pêche et un jaune ou un pêche et un vert, enfin je sais plus exactement. Merveille, donc celui-là je vous le montre pas très longtemps parce qu'il n'existe plus, enfin il est déjà sold out, donc voilà. Mais ma maman m'en a offert un mini, je suis en amour. Regardez-moi, c'est imprimé. C'est le Osaka. Je sais pas si vous connaissez les sacs Cabaya. Donc ça, je suis tombée dedans à cause de Marina, ma copine Marina encore. On en parlait l'autre jour, on se rappelait la conversation où un jour je lui ai dit, moi, un sac à dos, jamais, je déteste ça. Oui, et puis un jour, et puis je lui en ai offert un parce qu'elle en voulait un pour un anniversaire, enfin bref. Je l'ai vu sur elle et j'ai dit, quand même, quand je vais prendre le train, machin et tout, c'est quand même bien pratique pour mon ordinateur. Donc j'ai acheté un grand parce que j'ai un ordinateur grand. Donc j'ai acheté leur maxi, donc c'est leur sac Adventureur, parce que maintenant ils en ont deux autres. Ça c'est le premier qu'ils ont sorti. J'ai acheté un grand, et puis en fait après j'ai dit ouais mais bon un médium quand même, quand je pars que comme ça avec mon iPad machin et tout, c'est pas mal. Et puis après j'ai vu un autre médium qui me plaisait machin, et puis j'avais dit bah un mini jamais ça me servira pas. C'est la taille pour l'iPad en vrai ça. J'avais dit oui c'est trop petit et tout. Et en fait il y a le Honfleur, c'est des petites fleurs trop mignonnes, où je disais ah quand même peut-être un jour je craquerai, et ils ont sorti ça et là ils m'ont perdu, mais clairement ils m'ont perdu. Donc voilà, j'adore, il est trop beau, c'est trop beau. Alors la particularité et pourquoi je finis par craquer, déjà vous avez là, vous pouvez rajouter des petites pochettes là. En fait ça c'est un système de pochettes que vous enlevez, vous pouvez changer, donc ça c'est celle qui va avec, mais je peux très bien mettre n'importe, et vous pouvez les acheter à part, c'est 10€ je crois. Je peux mettre celle-là, là, si j'ai envie, enfin voilà, c'est la même taille pour tous les, pour les maxi, médium et machin, les tailles elles sont standards. Vous pouvez ne rien mettre, moi j'aime bien rien mettre sur les côtés. Ils appellent ça système anti-vol, MOL, c'est un truc qu'ils ont développé où vous tressez en fait la pochette en bas. Sauf que oui, enfin alors oui, mais bon, on peut toujours vous ouvrir votre pochette et partir, et enfin et prendre ce qu'il y a dedans, mais on peut pas vous voler la pochette. Ce que j'aime aussi, bah, ils ont une grande, ils appellent ça ouverture Kaba, mais du coup c'est très grand, donc c'est bien parce que vous vous perdez pas. Vous avez une pochette d'ordinateur, une pochette filet, vous avez toujours derrière une petite poche secrète là. Enfin bref, je les aime beaucoup, voilà. Lui, c'est ma maman, donc il me l'a offert, c'est mon dernier, dernier arrivé, et je suis... Voilà, parce que j'avais dit les mini jamais, ça me servira à rien, et puis voilà. J'avais aussi dit les sacs à dos jamais, et puis j'en ai 4 maintenant, donc... Avant-dernier truc, j'ai aussi beaucoup joué, beaucoup à Assassin's Creed Odyssey. J'ai eu un peu de mal. En fait, Assassin's Creed, c'est un de mes jeux vidéo préférés. Alors, je suis une qui change de vidéo, hein, je vous le dis. Je me fais, pour faire une mission, quelqu'un qui est bon en fait 12. Voilà, je suis nulle. Je fais les missions quand j'ai 2 niveaux de plus, parce que sinon, je n'y arrive jamais. Voilà, mais j'adore Assassin's Creed, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et mes jeux préférés, c'était avec Ezio. Donc ça doit être le 3, un truc comme ça. Et il y a 5 ans, ils ont repris la... Enfin, ils ont refait la franchise. Avec un qui se passait en Égypte, que j'ai bien aimé, mais en fait, vraiment, l'Égypte, en fait, j'adore l'Égypte ancienne. Et il m'attirait pour ça, mais vraiment, le gameplay,
je commence à utiliser des noms scientifiques, mais la façon de jouer, quoi, le gameplay a vraiment changé depuis les autres. Donc j'ai vraiment eu du mal à m'y faire, mais je l'ai fait, et puis c'était magnifique, vous aviez les pyramides et tout, vraiment j'avais l'impression de voyager. Et depuis, ils ont sorti celui en Grèce, donc Odyssée, et celui des Vikings, Valhalla. Vous n'avez plus le côté assassin, enfin, si, parce que vous êtes toujours un assassin, mais vous n'avez plus le côté assassin d'Assassin's Creed, très discret et tout, là vous êtes vraiment un combattant, quoi. Du coup, j'étais un peu moins fan, et là en fait j'ai repris Odyssée, et genre, déjà je suis époustouflée par les décors encore. L'Égypte, c'était vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc du coup j'étais vraiment attirée. Mais là, la Grèce antique, j'étais moins, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, mais moins. Et là, j'étais, mais oh là là, je suis, à chaque fois que je découvre une nouvelle ville et tout, voilà, je suis époustouflée par tant de beauté et de détails. Et j'aime beaucoup, j'y joue, mais genre tous les soirs, quoi. D'ailleurs, trop, je me mets des timers pour aller me... pour aller me coucher, parce que sinon je dormirai jamais, je resterai genre comme ça pendant 8 heures. Et puis dernier petit produit qui est pas de la beauté mais qui va faire le lien avec ce que j'ai à vous montrer après, c'est je suis pas médecin et tout, donc surtout vous prenez pas ça si vous prenez d'autres choses à côté, enfin voilà, mais ça fonctionne très bien, c'est de chez Les Miraculeux, c'est des gummies. Alors moi honnêtement, déjà les compléments alimentaires à la base, je suis pas, voilà, mais alors sous forme de bonbons comme ça, genre, j'ai toujours trouvé ça nul à chier. Enfin, pas nul, mais en fait, genre, je me disais, mais comment ça peut marcher? C'est psychologique. Et en fait, j'ai entendu parler de celle-là pour le sommeil, avec de la mélatonine, et j'ai entendu dire plusieurs fois qu'ils étaient vraiment très bien. C'est français en plus, et c'est fabriqué à Vincennes, je crois. En France, ça c'est sûr, mais ils sont à Vincennes, ouais, Les Miraculeux. Et ouais, fabriqué en France, et écoutez, ça fonctionne. Mais genre hyper bien, quoi. C'est-à-dire que même mon mec, qui me croit jamais quand je lui dis de prendre un truc et tout, il est là, non mais c'est de la merde, t'es machin et tout. Bah ça en fait, il les a pris une fois parce qu'il arrivait vraiment pas à dormir. Je lui ai dit, bah essaye, ça te coûte rien. Et maintenant, il en prend pas tous les soirs, mais presque, dès qu'il a un coup de stress et tout. Et donc ce qu'il y a de bien avec la mélatonine, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en prendre, voilà, vous pouvez en prendre en appoint. Et ça fonctionne très bien et vraiment ça aide à se détendre, à s'endormir. Faut le prendre une demi-heure avant d'aller se coucher, et top. Et du coup, je le prends pendant que je joue à Assassin's Creed. Ce qui ne m'aide pas à être meilleur parce que je commence à m'endormir. Mais voilà, et le goût est très bon, c'est un goût de fruits rouges. Je vois sur les dessins, il y a mûre myrtille, oui, c'est un petit peu ça, mais je saurais pas exactement définir quoi, mais ouais, bonbons aux fruits, quoi. Franchement, ça, je vais les racheter, on en a plus beaucoup, là, il faut en prendre deux par prise. Et du coup, il en reste 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bah, c'est pas possible. Il a dû en prendre qu'une une fois pour essayer, ou je sais pas. Parce que normalement, il y en a 42 dedans, et là, il y en a plus que 11, et on est censé les prendre par deux, donc c'est pas très normal, mais bon, bref. C'est mon mec qui a dû faire un truc bizarre, parce que moi, je les ai toujours pris par deux. Donc voilà, ça, très 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 bon produit, je vous recommande. Et j'ai vu qu'ils avaient du coup d'autres trucs stress et beauté pour les ongles, les cheveux et tout, et je pense que je vais essayer. Et c'est vegan, j'ai oublié de vous dire. Important pour les véganes. On va pouvoir passer au maquillage. J'en ai pas des... Enfin, en maquillage. Beauté d'abord, j'ai un peu de soin. J'en ai pas des masses, hein. C'était pas le mois, voilà, le plus... ni celui où je me suis le plus maquillée, parce que là, ça faisait une semaine que j'avais pas le temps, je me maquillais pas et tout. Ni celui où j'ai fait des grosses... voilà. Premier soin, bah, c'est les... je vous l'avais vu dans ma vidéo de la semaine dernière sur les soins solaires. C'est les produits ultraviolettes, quoi. Alors j'en suis fan. Et alors j'ai eu la surprise de découvrir... Enfin, surprise. Maintenant je les ai. Donc. Moi je les avais commandés sur Beauty Bay. Et en fait ils étaient aussi... Enfin ils sont arrivés, le temps que je tourne la vidéo et que je la monte, ils sont arrivés chez Sephora. Moi donc j'ai pour rappel le minéral qui est mat, donc SPF 50+. Donc ça c'est plutôt une crème. Et le Queen Screen qui est un petit fluide... illuminateur avec un SPF 50. J'aime beaucoup les deux, donc pas pour la même chose, je vous laisse retourner voir ma vidéo, mais en gros un pour mettre sous le maquillage et un quand je me rien, ou sous le maquillage aussi, hein, mais il sublime vraiment votre peau. Et j'adore les produits ultraviolettes, c'est vraiment une grosse 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 découverte et réussite, et je les ai utilisés, ouais, presque tout le mois. Après j'ai essayé d'autres trucs et tout, mais franchement il y a beaucoup, je suis là, grosse réussite.
autres produits de soins. Alors, c'est une découverte. Je peux pas vraiment vous dire que c'est un favori pour l'instant. Mais je voulais vous en parler, ça fait trop longtemps que je veux tester la marque. Je veux tester depuis des années, mais genre des années, la marque Tatcha. C'est un peu comme Kate Somerville, vous voyez, que je voulais tester depuis 10 ans. Bah, Tatcha, ça fait à peu près autant de temps. Sauf que Kate Somerville, c'est... j'avais pas vraiment de raison de pas avoir testé parce que c'était déjà disponible sur Filunique et tout, mais j'avais jamais commandé. Que Tatcha, c'est très compliqué parce que c'est vendu nulle part ailleurs que aux États-Unis, donc sur Sephora États-Unis ou sur leur site à eux. Avant qu'ils livraient pas en France, moi j'aime pas faire les trucs chipito et tout, ça me saoule. Enfin franchement, me faire livrer, avoir des frais de douane, ça me dérange moins limite parce que de toute façon avec chipito, ça vous fait à peu près le même prix. Et à chaque fois c'est des trucs, il faut pas qu'ils les perdent parce que c'est livré dans une adresse là-bas, après ils vous le rapatrient, enfin, ça dure 10 ans, à chaque fois ça me saoule. Mais Tatcha, le site, livre en France, donc là j'ai fait une commande. Alors c'est des soins qui ont quand même un certain coût, c'est niveau Estée Lauder quoi. Et donc j'ai fait une première commande et après j'en ai repassé une deuxième que j'ai pas encore reçue. Et du coup j'ai commandé dedans ma crème qui va être ma crème de l'été dans ma première commande. Il y avait d'autres trucs, je vous en reparlerai. Et donc c'est la The Water Cream. En fait ils ont 4 grosses gammes. Ouais 4. Il y en a une cinquième mais elle est un peu à part. Mais ils ont 4 gammes. Et ça, la Water Cream, c'est un de leurs best-sellers en fait. Et c'est trop... Non mais franchement les packaging quoi, c'est trop mignon, ça fait genre petite pomme. Et en fait ça, c'est la petite spatule pour vous servir dedans. C'est génial. Et la texture de la Water Cream, c'est pour ça que je l'ai prise pour l'été, avec ma peau qui tire un peu vers le mix. C'est vraiment de l'eau quoi. Franchement j'adore. L'odeur, c'est frais, c'est citronné. Donc c'est... votre peau la boit en 2 secondes parce que c'est de l'eau, il n'y a pas de corps gras. Donc du coup il n'y a pas de SPF. Parce qu'il n'y a pas de corps gras. Mais alors, génial. Pour l'instant, génial. Mais ça fait que 15 jours que je l'utilise. Et moi, je n'aime pas vous parler d'une routine avant au minimum 1 mois et demi, 2 mois. Donc, pardon, il y a mon chéri qui rentre, donc les chiens aboient si jamais vous les entendez. Donc du coup, je vous en reparlerai. Je vous reparlerai de tout ça. Mais en tous les cas, pour l'instant, grosse découverte. J'ai aucun problème de peau avec, j'ai aucun bouton. Ma peau est bien, ma peau est hydratée. Donc super. Ensuite, gros favori du mois, encore la DD crème de chez Dermeden. Je vous en parle tous les mois, donc voilà, enfin, c'est l'été quoi. Effet bonne mine, oui, ça lisse, ça a SPF 50. Dermeden, c'est une marque que j'adore. Je peux vous reporter à toutes mes dernières vidéos où je vous en ai parlé. C'est une marque très pointue, c'est vraiment une grosse technologie. C'est façon CC crème, mais là, vous avez un SPF 50. Ça s'adapte vraiment à la peau, c'est vraiment top franchement. Donc en amour total devant ma petite DD crème, je vous la conseille grandement si jamais vous cherchez quelque chose pour l'été qui unifie votre teint, qui vous protège, qui a un bon SPF, top. Ensuite j'ai découvert des éponges. J'ai acheté l'éponge de Makeup Forever qui est sortie avec le HD Skin, le dernier fond de teint de la marque, que j'achèterai pas, je vous le dis, mais leur éponge est top. Alors je sais pas si vous allez voir, mais elle a un côté comme en plastique en fait, du coup c'est pour appliquer vraiment la matière, et l'autre côté qui est vraiment un côté beauty blender, et je trouve ça bien parce qu'en fait du coup elle boit pas, vous posez la matière, et je pense il faudrait que j'essaye, mais pour appliquer les blush crème et tout c'est top. Et alors grosse découverte grâce à Marion Caméléon, c'est les éponges en microfibre. Celle-là elle vient de chez Beauty Bay, donc là elle est sale, elle est pas mouillée et tout, donc elle est pas à sa taille normale. Mais c'est des éponges vraiment façon velours, c'est en microfibre en fait, donc vous avez comme si c'était du velours. Et en fait ça ne boit pas du tout le produit, vous voyez elle est tachée mais elle a pas, absolument pas bu. Du coup ça vous fait une couvrance, mais en plus est beau. Alors ça vous fait une énorme couvrance, mais en plus c'est beau. Et franchement, j'aime beaucoup, donc j'en ai recommandé des Beauty Bay. Et j'en ai essayé d'autres parce qu'en ce moment j'ai une passion éponge. Je préfère l'éponge au pinceau pour appliquer mes produits teints. Et genre ça y contribue de ouf, donc je suis trop contente. Nouveauté et pas des moindres. Les nouveaux, alors c'est pas vraiment nouveau, mais les blush sticks de chez Tarte. En fait c'était un produit discontinué qu'ils ont recommencé. Donc j'ai 2 teintes, j'ai sauté dessus quand je les ai vues. La teinte Exposed, vous savez qui est la couleur de leur blush le phare quoi. Et la deuxième teinte c'est Tipsy,
Pareil, je crois que c'est un de leurs blushs phares. Ce qui est rigolo, c'est que vous tournez pas, en fait, juste vous appuyez au fond comme ça et ça les sort. Hop, voilà. Et les deux, c'est hyper frais. Je les porte aujourd'hui, je porte Expose, je crois. Mais c'est hyper frais sur la peau, ça se travaille trop bien. Ça se travaille trop bien au pinceau et à l'éponge. Alors que d'habitude, les blushs crème, moi je préfère quand même l'éponge parce que je trouve ça plus doux. Mais en fait, même au pinceau, c'est génial, ça tient bien. Tout en étant frais, en étant en transparence, ça tient. Gros coup de cœur. Et on termine en beauté avec Jeffree Star. Alors, j'ai pas acheté des nouveautés, j'ai acheté des paillettes qui me faisaient de l'œil depuis un bout de temps. J'étais passée à côté à l'époque. Et puis en fait, il y en a une que dont je n'avais même pas connaissance jusqu'à il y a quelques semaines, moi, parce que je l'ai achetée il y a un mois et demi. Et en fait, depuis que je les ai reçues, je me maquille tout le temps avec. Vraiment, genre là, je la porte encore. La première, c'est la Blood Money. Voilà, j'ai même pas enlevé la protection. Qui est trop belle. J'ai hésité avec la Blue Blood. Alors la Sugar Blood aussi. Mais plus avec la Blue Blood parce que je voulais un truc un peu qui sortait de l'ordinaire. Et en fait, je trouve que celle-ci, la Blood Money, est plus facile à apporter. La beauté. Jeffree Star, ses fards sont sublimes. Dans celle-là et dans l'autre, il y a des noirs. Les deux, je m'en sers en liner là pour faire montrer mon ras de cils, mon trait de liner, je m'en suis servie parce ils sont juste géniaux. Ces fards pailletés sont sublimes, ces irisés, je vous en parle même pas. Genre, vous prenez là le Secret Stash, c'est ultra pigmenté. Enfin, c'est. Jeffree Star, quoi. Ça s'estompe, ça se travaille trop bien. Mais franchement, mais. Voilà, les mats. Alors, les mats. Mais parfait, bon j'ai pas pris une couleur qui allait beaucoup se voir. Mais les mats parfaits, pareil, ça s'estompe et ça se travaille très bien. Là, il y a des enfin il y a des verres sublimes. Alors après, bon voilà, ce que j'utiliserai peut-être un petit peu moins, mais encore j'ai envie de m'y mettre. C'est peut-être ces deux-là. Mais regardez-moi ça là, comme c'est beau. Le Monet Ilst là ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous allez voir, c'est un petit caméléon. Un peu en transparence comme ça, façon top coat, mais qui est trop trop. Est-ce que vous allez le voir? C'est vraiment presque que des reflets, mais je le trouve vraiment beau comme ça, quoi. Amour total. Et la deuxième, c'est la. Attendez, je vais vous montrer. La deuxième, c'est le packaging des trucs de Jeffree Star, mais genre. Là, celle que je voudrais aussi, enfin, mon prochain achat, je pense que ça sera la Orgie. C'est que des nudes. Et là, il y en a une, c'est la. Comment il appelle ça? Pas la conspiracy, mais là. Une, c'est que des noirs et des gris. Genre, et c'est le truc un peu morbide. Voilà, mais toutes ces palettes sont trop belles. Et donc, celle que la deuxième, c'est la Pricked. Non, mais regardez-moi ça. En simili cuir et tout, c'est hyper bien foutu. Enfin, genre, on peut aimer ou pas le personnage, mais c'est. Enfin, excusez-moi, mais c'est magnifique, quoi. Et alors là, c'est plus dans les tons chauds. Rouge, rose, saumon, cuivre, tout ça. Déjà, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Enfin, trop beau. Et alors, les couleurs. Mais je suis. Je vais faire quelques swatchs de l'autre côté. Pareil. Donc, on va prendre Fashion War qui est un orange. Le Unblunted, le cuivre. Mais. Voilà. Je vais quand même vous faire un swatch du noir parce que je voulais pas montrer dans l'autre. Donc c'est des noirs qui ont un peu des paillettes, mais j'aime bien parce que ça leur apporte un brin de lumière tout en étant hyper noir, hyper mat, hyper. Voilà. Et puis un petit mat, le Forged, le rouge. La beauté. La beauté. Enfin franchement, vraiment. Pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Non, franchement, j'adore. Donc là, je suis maquillée avec. J'ai un fard crème en dessous. Et que celle-ci qui est ma préférée. Franchement, c'est ma nouvelle palette préférée. En fait, c'est des tons qui se portent quand même assez facilement. Donc, du coup, je la porte souvent. Jeffree Star, c'est un peu ça le problème. C'est que ou c'est des nudes, ou c'est des tons qui sont un peu plus compliqués à porter au quotidien. Et celle-là, franchement, j'ai flashé dessus à cause de ça. Parce que voilà. La Orgie, la palette en elle-même est belle. Enfin, les couleurs sont belles, c'est que des nudes. Mais je veux dire, la palette en elle-même, le packaging est beau, mais il n'y a rien de. Ça reste une palette, quoi. Moi, celle que j'aime chez lui, c'est voilà, les trucs un peu comme ça, quoi. Qui sortent de l'ordinaire, n'est-ce pas?
J'aime trop. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris de ce mois d'avril. Je sais pas si vous connaissez ces produits, dites-moi si vous les connaissez. Et dites-moi dans les commentaires quels sont vos favoris et vos flops. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!